Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, deux dossiers. Mwanda, ville de l'or noir. Mwanda, ville soumise à la pollution, l'environnement de la ville côtière et ses ressources à suivre dans ce journal. Prouesse scientifique, la République démocratique du Congo, à l'aube des nouvelles technologies, enregistre des avancées significatives. Deux femmes, Thérèse Kirongozi et Raissa Malou, viennent de mettre en place un respirateur pour la prise en charge sanitaire des patients. On en parle dans ce journal, mais tout d'abord, l'actualité. Bienvenue à ce journal magazine. Un litige opposant la Société nationale d'électricité SNEL SA et une firme américaine a conduit à la saisie des comptes de l'ambassade de la RDC à Washington. La question est portée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo-Kiese, par les représentants de la République démocratique du Congo aux Nations Unies. Les détails dans ces reportages signés Joseph Oscar Mbalkaïge. Un litige oppose l'entreprise SNEL à une firme américaine qui avait offert ses services à cet établissement public. Le problème a été posé à la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo-Kiese. Les représentants de la RDC auprès des Nations Unies, les professeurs Georges Zongola Ntalaja, a entretenu la Mineta sur la créance de la SNEL envers cette société américaine. Conséquence, les comptes de l'ambassade de la RDC aux USA, ainsi que ceux des agents et personnels diplomatiques, ont été bloqués depuis plus de 6 mois. Et le tribunal fédéral de la région de New York a décidé de bloquer tous les avoirs congolais aux États-Unis. Et ils ont commencé avec notre ambassade qui n'a pas grand-chose. Et non seulement ils ont bloqué notre compte bancaire de la mission, ils ont bloqué les comptes des individus, les comptes des diplomates, donc, qui ont leurs économies sont là et ne peuvent pas danser depuis septembre de l'année dernière. Donc nous parlons maintenant de 6 mois où les gens n'ont pas accès à leurs comptes bancaires, et ils n'ont pas accès à leur salaire, le loyer, ainsi de suite. Donc la ministre d'État nous aide déjà, elle a engagé un cabinet d'avocats à New York pour suivre l'affaire. Un accord mérite d'être trouvé pour éviter à la RDC ces désagréments. Le complexe sportif de l'Université de Kinshasa fait l'ombre de lui-même, longtemps abandonné. Ce centre sportif sera bientôt réhabilité avec l'appui financier du ministère des Finances et les partenaires japonais. La signature de ces contrats annonce déjà les débuts des travaux, nous dit Rodépanda. L'Université de Kinshasa Solution n'est pas un simple slogan, mais une réponse à tous les problèmes de notre société. C'est le cas du secteur sportif qui n'est pas en reste. La signature du protocole d'accord entre le ministère du Plan et l'Université de Kinshasa pour la réhabilitation du complexe sportif de l'UNIKIN, abandonné à son triste sort. Depuis Belle Lurette, est la solution pour rehausser cette discipline, explique le recteur de l'UNIKIN, le professeur Dr Jean-Marie Kaimbentumba. Je pense que notre prière, le cri de l'UNIKIN Solution, a été entendu. Je saisis l'occasion pour remercier sincèrement Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances Kazadi, qui est un alumni de cette université. Et aujourd'hui, la délégation de finances, du ministère des Finances, passe, elle, de la parole, de l'intention à l'action. Clément Bikaï, coordonnateur adjoint de la cellule de suivi de ce programme appuyé par les bailleurs de fonds du ministère des Finances, revient sur quelques détails. Son Excellence le ministre des Finances a obtenu la réhabilitation du complexe de la piscine avec toutes ses dépendances, notamment la tribune, les vestiaires, les locales de machines, l'électrification et le renouvellement des équipements. Une fois réhabilité par une entreprise chinoise, les différentes équipes sportives nationales seront bien fournies en athlètes de qualité. Il faut rappeler que ce complexe sportif a mis à la disposition du pays un bon nombre d'athlètes dans les différentes disciplines sportives.
La République démocratique du Congo a fait des progrès dans le domaine des nouvelles technologies, de l'information et de la communication qui touchent la vie des milliards de personnes. La SNEL-SA vient d'organiser une session de formation à l'intention des directeurs centraux sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, une initiative de son directeur général Jean Bosco Kayombo Kayan, sans papier d'Edith Chalakatala. Les directeurs chefs des départements, les directeurs de la Société nationale d'électricité SNEL-SA étaient à l'école du savoir, question de se mettre à jour. La session a porté sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'administration et la gestion axée sur les résultats. Des formations continues pour plus d'efficacité, le choix stratégique est du directeur général de SNEL-SA, Jean Bosco Kayombo Kayan, qui a clôturé ses assises. La technologie évolue, la SNEL est une société hautement technique, ce qui fait que nous utilisons des technologies qui évoluent, mais nous devons gérer et les hommes et les équipements. Et ceux qui gèrent les hommes et les équipements à la SNEL, dans un premier temps, ce sont les directeurs. C'est ainsi que nous avons fait une session, un séminaire d'encadrement des directeurs de la SNEL pour pouvoir justement transmettre cette culture de l'entreprise, de façon à mieux gérer l'entreprise. Une entreprise, on doit former en permanence son personnel. Les directeurs de la formation Kouété dit répondre aux besoins en ressources humaines compétentes. Elle a porté sur les valeurs managériales et aussi sur la communication et relations. Et tout cela, nous avons résumé dans ce que le directeur général a appelé la culture d'entreprise. La directrice des marketing, Nyango, s'est chargée de la lecture du mémorandum dressé à l'intention du directeur général de SNEL-SA. L'Institut national des préparations professionnelles INPP Extension du Lualaba vient d'organiser une session de formation à l'attention de son personnel, comme les témoignent ses reportages. Répondant à l'appel de l'Institut national de préparation professionnelle Lualaba, plusieurs entreprises privées regroupées au sein de l'AFEC ont pris part à la matinée d'information sur les apports de l'INPP et le plan de formation pour l'exercice 2022 en faveur de leurs employés. Prenant la parole, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a signifié à l'Assemblée la pertinence de l'INPP dans sa mission de formateur et aux entreprises privées d'en capitaliser. J'invite ainsi toute l'assistance à prêter l'oreille attentive au déroulement de cette manifestation afin de ne pas louper la pertinence de la formation dans une entreprise privée. Joseph Kangoudi, directeur provincial de l'INPP Lualaba, s'est appesanti sur la nouvelle politique managériale prônée par le directeur général de l'INPP, Patrick Kayembe Soumpi, dans sa circonscription bénéfique aux inscrits pour la formation. La formation professionnelle se compose, à l'INPP se compose, entre autres, de la formation qualifiante, qui a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle et concerne les demandeurs d'emploi et ceux qui se reconvertissent pour une réqualification dans un métier. Il y a également la formation continue. Cela est organisé pour les employés. Le conseiller technique du directeur général de l'INPP, Serge Gaza. L'évolution actuelle de l'Institut nous exige de mieux répondre aux besoins des entreprises qui, dirais, sont devenues grandes demanderesses et exigeantes pour de formation pointilleuse. Un autre temps fort était la remise des brevets à quelques entreprises ayant suivi la formation à l'INPP Lualaba. Et puis, c'est communiqué à l'attention des agents et cadres de l'OGFREM. Les conseils d'administration de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM constatent avec regret l'arrêt des travaux à l'Office, particulièrement à Kinshasa et à Lubumbashi depuis les mardis 2 mars 2022. Cette situation lourde des conséquences sur l'économie du pays et le fonctionnement de l'OGFREM ne peut perdurer au moment où les autorités se déploient pour trouver le voie et moyen pour répondre aux problèmes qui préoccupent les travailleurs. En conséquence, les conseils d'administration demandent à tous les travailleurs de reprendre le travail dès demain, lundi 7 mars 2022,
À 7h30, la direction générale est appelée à prendre toutes les dispositions utiles pour la reprise effective du travail fait à Kinshasa le 5 mars 2022. Ces communiqués portent la signature de Jean-Kévin Jemsi Moulengba, président du conseil d'administration de l'OGFREM. Poursuivant ce journal, le système licence, doctorat, master devient incontournable dans l'organisation de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. L'université Sepromade entre déjà dans la ronde. Rodé Panda nous en dit plus. C'était une matinée scientifique de bonnes nouvelles, essentiellement consacrée sur les 20 universités du Sepromade reconnues et autorisées à fonctionner en RDC et sur la mise en œuvre du système LMD. Selon le président du conseil d'administration de ce promade, le professeur émérite Oscar Ntsaman Olutu, l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat sont des atouts dont dispose cet alma mater et cela a été d'un grand apport pour la reconnaissance du réseau des universités du Sepromade par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïse Ndonzangi. Le réseau des universités du Sepromade comprend actuellement 20 universités reconnues, agréées officiellement par le ministre de Kitel. Tout aventurier qui oserait utiliser abusivement le nom du Sepromade, qu'il aura à faire face à la loi. L'université du Sepromade s'est dit donc fière d'avoir participé activement aux travaux des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, mais surtout à l'élaboration de maquettes de formation avec le système LMD en management pour tous les cycles. Le problème de LMD, il a fallu attendre que son Excellence Moïse arrive pour oser. Notre pays, on était incompris. L'État a pensé à l'essaimage. Au lieu de se contenter seulement de 3 universités, on a dit maintenant, il faut plusieurs universités. Parmi les 20 universités du réseau Sepromade, on peut citer l'université du Sepromade de Kolwezi, de Bumba, de Boma, de Matadi, de Diofa et de Lubumbashi, ainsi que tant d'autres à travers le pays. La présence sur les sols congolais du président de la Gambie, Adama Barrow, une visite pleine de symboliques. Ce dernier s'est entretenu avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu également des entrevues avec une délégation américaine mixte des officiers militaires de la Task Force opérationnelle et du département du travail à autres activités. C'est à travers la semaine du président de la République avec Pierre Kibambe Somoïsa. Pays hospitalier, la République démocratique du Congo accueille des hôtes d'OMAC, parmi lesquels plusieurs chefs d'État africains. Ils effectuent des visites officielles à Kinshasa dans le cadre du raffermissement et de redynamisation de relations d'amitié et de coopération bilatérale entre leurs différents pays et la RDC. En début de semaine, le président de la République de Gambie, Adama Barrow, a foulé le sol congolais. Il a été accueilli chaleureusement par son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation. Après les honneurs de la garde républicaine, les deux chefs d'État se sont rendus dans la salle des ambassadeurs pour des entretiens en tête-à-tête qui ont été ensuite élargis à leurs délégations respectives. Devant la presse, à l'issue des échanges, le président de la République les a qualifiés de chaleureux et de très intéressants. Ces échanges ont porté essentiellement sur les relations entre les deux pays, a indiqué le chef de l'État. Des opportunités d'affaires, le renforcement de la diplomatie et de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Banjul dans les secteurs du tourisme, du transport aérien, de l'énergie, du commerce du bois et des infrastructures ont été évoqués au cours des entretiens. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec une délégation américaine mixte composée des officiers militaires de la Task Force opérationnelle sud-européenne et africaine et des membres du département américain du travail.
Au sortir de cette entrevue, Mme Aïda Aboras, commandante de la Task Force, a dit que la sécurité, la coopération et l'assistance entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique étaient au cœur des échanges. Elle a aussi indiqué que la professionnalisation des militaires congolais, le respect des droits de l'homme et la nécessité de promouvoir de bonnes relations avec les pays de la région étaient aussi des sujets évoqués au cours de cette entrevue. Pour sa part, Mme Téa May Lee, membre du département américain du travail, a mis l'accent sur le renforcement de la protection des enfants dans les mines et le respect des droits des travailleurs. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec le nonce apostolique Mgr Ettore Balestrero, venu le rencontrer pour une visite de courtoisie, s'inscrivant dans le cadre de la bonne collaboration entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo. S'adressant à la presse, il a indiqué que le pape François aime le Congo, il connaît le pays et son histoire, les souffrances endurées et les possibilités dont il dispose pour son élévation. L'Église catholique est très engagée dans les domaines de l'éducation, de la santé, du bien-être du peuple, impliquant le dialogue pour la sécurité des populations, a indiqué par ailleurs les nonces apostoliques. La semaine en 5 minutes, suspension de la grève des professeurs, des universités et instituts supérieurs, la situation des étudiants congolais en Ukraine et autres sujets ayant marqué l'actualité la semaine qui s'achève, une sélection de Chantal Okoloba. Dans la semaine qui s'achève, le Premier ministre Samalou Kondé a clôturé la 12e conférence diplomatique en République démocratique du Congo. Au cours de ses travaux, le gouvernement s'est engagé d'accompagner les diplomates pour l'accomplissement de leur mission diplomatique agissante. Toujours dans ses activités de la semaine, le chef du gouvernement congolais a présidé la réunion de la conjoncture économique sur la suppression de la taxe RAM et la situation macroéconomique stable. Avec le cardinal Ambongo, il était question de l'arrivée prochaine du pape François en République démocratique du Congo. Aux affaires étrangères, le vice-premier ministre a échangé avec les ambassadeurs sur la guerre en Ukraine. Toujours sur la situation en Ukraine, les ressortissants congolais vont bénéficier de l'appui du gouvernement pour leur éloignement des zones de conflit. Après les négociations entre les banques syndicales et le gouvernement, les professeurs des universités et instituts supérieurs ont suspendu leur mouvement de grève. À Kinshasa, un drame s'était produit au port d'Engafoura dans la commune de Maluku où une baleinière appartenant pour Mbandaka a pris feu. Le ministre provincial de l'Intérieur a donné le bilan de cet accident. Un mort et 9 blessés, dont 2 enfants. Le gouvernement a pris en charge tous ces accidentés. Dans le secteur de l'agriculture, le développement des 145 territoires était au centre des échanges qu'avait eu le ministre des Recherches scientifiques et les différents partenaires de la République démocratique du Congo. Dans le secteur de l'énergie, les travaux de construction de l'usine de traitement et de production de l'Embaïmbou sont presque prêts. Une fois terminée, cette usine sera mise à la disposition de la population. Mwanda, ville assise sur les pétroles, mais également exposée à la pollution qui impacte négativement son environnement. Entre pétrole et environnement, notre consoeur Françoise Bouélaboaki nous parle de Mwanda comme vous ne l'avez jamais vu et entendu. Village qui tombait depuis derrière des maisons. Des machines pompent du pétrole de jour comme de nuit depuis 50 ans. Le sol de Mwanda regorge de ressources à perte de vue. À l'intérieur du village, les tanks qui recueillent les hydrocarbures sont visibles derrière les grillages. Ce qui brûle là-bas au centre laisse échapper du gaz. L'odeur du pétrole dans l'atmosphère dégage du parfum du village. L'environnement est pollué. Parfois vous dormez, ce gaz dégage une odeur suffocante sur toute la zone. Des échantillons ont été prélevés sur plusieurs jeunes. Beaucoup ont développé des maladies respiratoires. Nous dormons péniblement, très mal à l'aise ici au village. Nous en avons parlé à tout le monde, mais personne ne nous écoute. Des points d'eau installés à proximité des maisons depuis plusieurs années sont rejetés par la population.
sous prétexte que l'eau n'est pas potable. L'eau est salée. Nous l'utilisons pour construire nos maisons. Cette eau cause des démangeaisons sur la peau. S'observe la mousse pour la lessive. Contourner ces installations donne une meilleure vue des torchères, entourées comme toujours des habitations. Les flammes ne s'éteignent pas. L'activité est permanente. Benoît Nganga, 94 ans, est le doyen du village. Il est dégoûté. Ici, la terre ne donne plus un bon rendement agricole. Le manioc, les avocatiers en tout cas, tout ne pousse plus. Le village qui tombait est éclairé. Il compte une église catholique, un petit centre de santé pour prendre en charge les petits bobos. Les jeunes se retrouvent pour l'épanouissement dans ce centre culturel construit au milieu du village. Qui des villageois et des installations pétrolières sont arrivés les premiers? Ces maisons sont construites il y a longtemps. Même cette route traverse des parts et d'autres. Les villageois refusent de quitter leurs terres où sont enterrés les esprits des aïeux. D'où l'origine des conflits permanents entre les exploitants pétroliers et les autochtones. La deuxième table ronde tripartite initiée par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, a donné un cadre de discussion directe entre les parties en conflit pour donner la chance à la paix. La cohabitation pacifique pour le développement durable de la cité côtière riche en pétrole. Sur décision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, 10 millions de dollars américains sont prélevés sur la rétrocession du pétrole, directement affectés au projet de développement de tout le territoire, sans discrimination aucune, pour éviter les frustrations. Œuvre et action féminine, vous allez vous en douter, deux femmes, Thérèse Kirongozi et Raïssa Malou, viennent de mettre en place un respirateur comme pour dire la femme à la conquête de nouvelles technologies. D'autres explications avec Chatikiwe Mishashka. La République démocratique du Congo, quelques femmes se sont distinguées dans le domaine de la technique. Il s'agit des Dio Thérèse Isaïe Kirongozi et Raïssa Malou qui viennent de mettre en place un aspirateur médical Made in Congo. Présenté le vendredi 4 mars 2022, une coïncidence avec la célébration de la Journée mondiale de l'ingénierie. Présenté devant un parterre officiel des partenaires, cet aspirateur médical prend en charge les patients dont le poids varie entre 15 à 100 kg. Les respirateurs qui étaient développés à l'époque, là, tout le monde savait qu'ils n'allaient pas servir à la pandémie. Parce qu'il faut un temps, évidemment, avant que le respirateur quitte sa phase de développement et rentre dans la phase clinique. Mais ce qui était important, c'était vraiment cette mobilisation des gens. Et donc 2020, nos deux institutions, l'Université Libre que je dirige et Women's Technology de Thérèse, se sont surtout concentrées sur développer un prototype qui maîtrisait d'abord cet aspect mécanique du respirateur. Je crois que le médecin qui va bien nous expliquer, nous faisons des explications techniques, mais maintenant les parterres, son rôle est de faire l'humidification de l'oxygène avant qu'on le conduise. Nous avons parlé de la partie intelligence artificielle. Alors, sur cette partie, vous allez voir, nous avons un écran tactile devant nous. Et cet écran-là qui nous permet d'afficher des paramètres qui sont variables. En cette période de Covid-19, le besoin est énorme. Les scientifiques s'expriment. Un anesthésiste sans respirateur, ça a été pour nous un plaisir de voir débarquer dans nos murs les deux belles dames que je salue et que je félicite. Vous venez nous présenter l'outil le plus principal, l'élément le plus principal de notre métier. La fabrication locale de cette machine, dont les prix varient entre 16 à 20 000 dollars sous d'autres cieux, tombe à point nommé
car elle va faciliter son acquisition et soulager les patients en détresse respiratoire. Je suis contente de voir que ces jeunes dames ont ramené la science au niveau des communautés pour transformer la vie, pour apporter un plus dans les communautés. Parce que souvent, les gens ici ont seulement la théorie. On voit les théories. Les gens bloquent, ils maintiennent des théories dans la tête, mais ils n'arrivent pas à transformer cette intelligence dans la réalité de nos communautés. Mais aujourd'hui, on voit un outil qui aide, qui va aider le secteur médical. Et nous voulons que ça soit multiplié et que ça puisse aller dans toutes les provinces, dans les territoires, dans nos villages, pour que les hôpitaux rendent service. Vous savez, pour soigner un malade de Covid qui a besoin de respirateurs, ça coûte trop cher. Et aujourd'hui, si on peut avoir des respirateurs fabriqués au Congo, ça va diminuer le coût et ça va être à la portée de toute la population. L'ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo a encouragé cette initiative et promet le soutien de son pays à cette équipe de femmes ingénieurs. Religion à présent, au Saint-Temple de Saint-Nicolas, le nouvel archevêque de l'église orthodoxe de Kinshasa, Mgr Théodore II, a été intronisé et une cérémonie a été organisée ce dimanche au cours d'un culte spécial. Edith Chalakatala nous en parle à travers ses reportages. C'est une cérémonie souvenir de l'intronisation du métropolite de Kinshasa, Mgr Théodose, par sa béatitude le pape et patriarche Théodore II, en remplacement de l'archevêque Niképhéros décédé en Thessalonique en Grèce. Au Saint-Temple de Saint-Nicolas, plusieurs invités de marque, au nombre desquels se comptent des ambassadeurs et le président de la Commission électorale nationale indépendante, ont répondu présent. Quatre autres prêtres ont été consacrés et seront les représentants du patriarche dans les différents évêchés, notamment de Kisangani, avec le père Polycarpe, de Goma, avec le père Timothée Ntumba, de Kinshasa, avec le père Gérassime Bélessi, premier prêtre de la paroisse de Kinshasa, et père Claude Mbaye, vicaire général de l'archevêché de Kinshasa. Ceux de Kisangani et de Goma sont des vicaires patriarcaux en province. La prochaine étape de cette visite pastorale de sa béatitude, le pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique, sera la ville de Kananga, où Mgr Ilunga Musungai sera intronisé, premier archevêque noir en République démocratique du Congo. Dans sa prise de parole, le pape Théodore II a félicité Mgr Théodose, métropolite de Kinshasa, pour son élévation et lui a recommandé de vrai pour la promotion de la parole de Dieu. La taxe foncière est un impôt local dû tous les ans par les propriétaires d'un bien immobilier. Le contour de cette taxe a été débattu largement au cours d'une réunion. Suivez cela en images et commentaires. De l'impôt foncier et impôt à revenu locatif IREL avec la nouvelle technologie qui fait usage de la télédéclaration Android, la digitalisation du paiement. La Direction générale des recettes de Kinshasa de Gelcam décrète le mois de mars tout entier pour une campagne de sensibilisation de la population et de tous les assujettis. Pour atteindre facilement tout le monde et couvrir toute la ville de Kinshasa, les médias. Pour relayer les messages et les porter plus loin, les artistes comédiens, aussi une autre catégorie d'artistes qui drainent l'opinion populaire, sont d'une importance de taille. Ainsi, ils sont mis à contribution. Après les contacts avec les médias, c'est le tour de ces artistes comédiens d'échanger avec le directeur général de la DGK. Félicien Kouloutantoula a signifié à ceux qu'il considère comme partenaires incontournables les rôles combien imminents qu'ils sont censés jouer dans cette campagne. Objectif poursuivi, communiquer suffisamment pour informer et transmettre un message persuasif en vue de convaincre l'ensemble de la population kinoise à souscrire et adhérer massivement. Car la mobilisation efficace des recettes par la DGRK est la clé incontournable pour la province ville de Kinshasa de développer la ville. L'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation et de la vulgarisation en rapport avec les réformes qui sont intervenues, à savoir la digitalisation du paiement et puis la télédéclaration. Les assujettis qui sont un peu éloignés, là où il n'y a pas de banque de proximité, là où il n'y a pas de banque mobile, pour leur permettre en fait d'effectuer les paiements. C'est au travers le POS, avec ces systèmes, nous voulons éviter le coulage des recettes. C'est la dématérialisation, parce que l'argent ne va pas circuler entre les mains
que ce soit de la CGT ou dans le maître de nos propres agences. Et avec le POS, nous réduisons en fait la distance. Une vidéo du sport et sketch déjà préparée par la DGCAM pour accompagner la campagne a été projetée et présentée aux autres. De Félicien Kouloutantoula pour appréciation. Plusieurs bandes de bandits ont été présentées au commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, par l'unité anticriminelle, parmi elles, les policiers de roulage qui s'est illustré par une rançon éhontée des conducteurs. Edith Chala Katala. La vidéo était devenue virale sur la toile. On y voit ce policier qui rançonne avec insistance un conducteur. Heurté par cette image infâme, le général Silvano Kasongo a immédiatement ordonné la mise aux arrêts de cet individu. À côté de cette brebis galeuse de la police nationale congolaise, il se trouve d'autres, encore anonymes, qui ternissent l'image de ce service public. À cette occasion, d'autres bandits opérant à divers endroits, certains spécialisés dans le braquage des vendeurs de bijoux, avec à leur actif un vol de bijoux d'une valeur avoisinant les 250 000 dollars et vol à main armée, ont été également présentés. Un autre, un chef coutumier, qui s'arroge le pouvoir de dompter les pouvoirs publics, qui à travers les affaires foncières, alloutit le terrain de l'ex-cimetière de Kasavubu. Et puis un étudiant, qui est passé maître dans l'art d'extorquer 50 dollars à ses collègues au motif de faire le suivi. C'est une moisson présentée au commandant de la ville province Kinshasa par la police criminelle. Tous ceux qui sont comme eux peuvent s'attendre, un jour ou un autre, à la visite de cette police de lutte contre la criminalité et stupéfiant qui a reçu mission d'assainir la ville. Politique, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Augustin Kabuya, est arrivé hier à Mbujimayi, province du Kasaï-Oriental. Notre envoyé spécial sur place, Alain Bikaï, nous fait revivre l'ambiance qui a régné hier à son arrivée à Mbujimayi. Suivez. L'aéroport de Mbujimayi était envahi le samedi 5 mars dernier par une marée humaine venue pour accueillir l'envoyé politique de Félix Antoine Tshisekedi. Devant cette foule compacte, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social était obligé de faire marche à pied de l'aéroport jusqu'au lieu du rassemblement populaire. Sur place où les combattants et les membres du parti de l'Union sacrée l'attendaient depuis l'avant-midi, Augustin Kabuya a commencé par saluer la mémoire des martyrs de l'UDPS du Kasaï oriental, victimes de l'intolérance politique des régimes passés. Solennellement, le numéro 1 de l'UDPS a procédé à l'intronisation du comité fédéral de l'UDPS dirigé par Jean-Paul Mbouéboué. Obligé à faire lumière sur la question des primaires organisées par la centrale électorale permanente de ce parti pour désigner un seul candidat à l'élection du gouverneur du Kasaï oriental. Augustin Kabuya n'avait pas sa langue dans sa poche. Le candidat vainqueur de ses primaires a été voté par ses challengers et non imposé par lui, a-t-il indiqué. En bon meneur des troupes, le gestionnaire au quotidien du parti présidentiel a appelé à l'unité surtout à travailler pour que la flamme du parti se rallume davantage dans cette province. Vous savez, la direction des informations télévisées de la Radio-Télévision nationale congolaise a été frappée la semaine dernière par la mort inattendue de Guillaume Sylvestre Kukumamengi Panji. Nous lui rendons hommage dans ses reportages depuis Rombouyou Saïdi. Donc, pas là de quoi fouetter un chat. Human Rights Watch a tout simplement manqué l'occasion de s'éteindre. Cette belle et mélancolique voix qui berçait et caressait les milliers de téléspectateurs de la Radio-Télévision nationale congolaise qui s'en étaient accommodés et habitués pendant plusieurs décennies à travers de pertinentes réflexions, des enrichissantes chroniques, des différents commentaires et reportages, sans oublier les animations des grands événements politiques dans les retransmissions en direct et autres couvertures médiatiques que tu faisais avec maestria, professionnalisme, abnégation et savoir-faire. Cette voix, disions-nous, nous manquera pour toujours car elle s'est éteinte pour l'éternité et nous ne l'attendrons plus jamais. Guillaume Sylvestre Kukumamengi Panji, papa, oncle, frère, cousin, neveu,
grand-père et beau-frère, et que savions-nous encore pour ta grande famille biologique, tant du grand bon Doundou que de toute la République démocratique du Congo. À la RTNC, directeur, collègue, confrère pour nous ta famille professionnelle, aussi bien la radio-télévision nationale congolaise que tout l'espace médiatique congolais. Bref, moi la maman pour tous. Avec ses différentes cordes à ton arc, Guillaume Sylvestre Koukoumamengi Pondji, aujourd'hui une fois de plus tu nous invites, mais sans carte d'invitation. Une carte d'invitation feutrée ou fleurie aux diverses colorations frappantes. Cette fois-ci, ce n'est pas pour voir ton large sourire qui se partageait ton visage avec ta barbichette toute blanche et bien rasée autour de ta petite bouche, à même d'offrir des larges sourires dans ton entourage immédiat. Moi, la maman, tu ne nous invites pas pour participer aux conseils et conférences des rédactions de la direction des informations télévisées de la RTNC, que tu avais du reste humanisée et surtout décentralisée. Réunion que tu ne présidais pas, mais que tu orientais dans tes longues parades linguistiques, teintées d'une confraternité conviviale et caractérisées par les interminables sourires de l'assistance tout entière. Guillaume Sylvestre Koukoumamengi Pondji, moi la maman, aujourd'hui tu nous invites plutôt pour assister à ton départ vers le royaume de nos ancêtres, l'au-delà. Toi qui aimais la compagnie, la vraie compagnie sur cette terre des hommes, tu voyages sans compagnon à plus pour une destination inconnue. Dans ces périlleux voyages sans retour, voyages que tout le monde déteste d'effectuer, tu es la seule personne qui l'accepte, créant ainsi un grand vide autour de ta personne. Mais à la destination, sois la bienvenue et va en paix. Nous allons encore lire ces communiqués à l'attention des agents et cadres de l'OGFREM. Les conseils d'administration de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM constatent avec regret l'arrêt des travaux à l'Office, particulièrement à Kinshasa et à Lubumbashi depuis le mardi 2 mars 2022. Cette situation lourde des conséquences sur l'économie du pays et le fonctionnement de l'OGFREM ne peut perdurer au moment où les autorités se déploient pour trouver les voies et moyens pour répondre aux problèmes qui préoccupe les travailleurs. En conséquence, les conseils d'administration demandent à tous les travailleurs de reprendre le travail dès demain, lundi 7 mars 2022 à 7h30. La direction générale est appelée à prendre toutes les dispositions utiles pour la reprise effective du travail. Fait à Kinshasa le 5 mars 2022, c'est communiqué, porte la signature de Jean-Kevin James C. Moulengwa, président du conseil d'administration de l'OGFREM. Et puis ce communiqué nécrologique, les familles Kabongo, Mavungo et Bunga annoncent la mort de leur fils, neveu et petit-fils Kabongo, Dimakouela Ryan, mort survenue le 25 février 2022 des suites d'une maladie. Les programmes se présentent comme suit. Mardi 8 mars 2022, veillée mortuaire dans la salle Emmanuel Siz Upen en face de l'école Kingu. Mercredi 9 mars 2022 à 9h, levée du corps de la morgue Louindwa Binzaozone vers Kamunga, suivi de l'inhumation au cimetière Nouvelle Cité 2 sur la route Matadi. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. Ces communiqués portent la signature de Romain Mboutanzenga, assistant du directeur général de la radio-télévision nationale congolaise. C'est par cette note triste que nous bouclons complètement ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe composée de Jonathan Mubalama, Joyce Apalakwe, Henri Alima, Sierro Dependa. Dans l'entretemps, l'info continue sur nos antennes. José Baïtouambo revient à 23h pour la suite de l'actualité. Au revoir.